Après avoir donné le dîner à ses deux enfants, l'infirmière profite d'un moment devant la télévision avec son aîné, lui, âgé de 7 ans. Mais selon Le Parisien, Delphine Jubillar serait également en train de regarder les messages que son amant lui envoie sur Snapchat. De son côté, Cédric Jubillar part fumer une cigarette et en profite pour faire une balade dans le quartier, tout en jouant sur son smartphone. Delphine, elle, est toujours en train d'échanger avec son amant et lui aurait même envoyé un selfie vêtu d'un combi short. Mais selon Le Parisien, il est bien difficile de dater la photo, puisque le fils de la disparue se rappelle que sa maman était vêtue d'un pull rouge et d'un pantalon bleu, puis qu'elle se serait mise en pyjama. Avec ce cliché, Delphine Jubillar aurait envoyé un message très intime à son amant. « Moi aussi envie de toi, j'attends que ça, que ton lit soit le mien », peut-on lire dans l'article du Quotidien. Depuis cette fameuse nuit, Delphine Jubillar est introuvable. Les enquêteurs ont pourtant fouillé chaque centimètre carré de la maison. Le Parisien rappelle que l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale a seulement trouvé deux traces de sang en petite quantité sur le canapé et le haut de pyjama de Cédric.